un singe en hiver et Mélodie en sous-sol d'Henri Verneuil, les BO des Toutons Flingueurs ou de Angélique Marquise des Anges, ou encore c'est des films de Jean-Yann, de Philippe Lévy, de Philippe Lévy, une émission politique où il fallait s'appeler Pierre. Attends. Pierre Lazareth, Pierre Perrault, Pierre Dumayet vous propose 5 colonnes à la une. Michel Magne est un personnage fascinant, complètement allumé, qui passe son temps à faire des expérimentations perchées, qui avait une vision très mauvaise. Alain Cessé, le paparazzi de Yeah, you're the man, I'm the man.
Le colonel Nesma est donc mon grand-père. Barbara Clémence chante.
Quand je mets la chanson de Dieu, non, je ne. Moi, je ne peux pas mettre le morceau de Mike si vous êtes dans ma page. Moi, elle ne m'aime pas. C'est une femme qui me déteste. Je ne m'aime pas. Non. Non. Pourquoi? Mais elle a une team, non? Sa team, c'est la team d'en face. Quand on passe la publicité, non? Elle me paye. Oui, je ne paye pas. C'est un peu ma team, moi, Jean. Même si c'est pourri, je ne m'aime pas. La ministre demande une enquête sur les travaux des chercheurs. Je ne m'aime pas. Quand tu me détestes, moi aussi, je te montre mon visage. Je ne m'aime pas. Tu as te mentir, ma soeur. Je suis faite pour toi. Je te le dis encore une fois. Que c'est toi que je dolo. Je te veux pour moi. Les jaloux vont parler. Mais notre amour sera qu'avancé. Les jaloux vont parler. Nous verrons toujours. Quand je suis loin de toi, ne m'en veux pas m'amitié, et dis jamais. Papa, maman, va y aller, ma vie, vous voir. Pour vous, pas me gosser, vous devez y avoir. Les jaloux vont aller, aller. Et nous verrons toujours. Elle n'a pas encore le morceau de viande. Elle est dans l'os. Allez,
s'appelle Barbara Clémence. Vous la trouvez sur YouTube. Beaucoup, merci. Ouais. Alice. Oui. Tu peux baisser, chérie. J'ai laissé mon papa à la maison là-bas. Il faut que j'ai toujours le pouvoir. C'est mon papa. Moi, c'est les Warriors. Déjà, bonsoir. Heureuse de vous retrouver avec ma nouvelle tête. Mange l'os. Coupe bien les. Parce que normalement, elle doit manger. Je suis désolée. Dans mon WhatsApp, il y a des gens qui m'ont envoyé que Marie-Christine vous chante. Moi, je suis une personne que moi, je n'aime pas. Moi, je l'ai dit. Marie-Christine Mouzène, Zom Bonou, c'est ma chienne, la bande de Zom là. Elle ne m'aime pas. Et pourquoi moi, je vais l'aimer? Je vais l'aimer pourquoi? Soit parce que je de la même région que je dois l'aimer. Elle m'a tourné le dos. Elle m'a insulté sur les réseaux sociaux. J'ai écouté, ça m'a fait mal. J'ai répondu, elle n'a pas répondu. Moi, avec moi, c'est comme ça. Moi, j'ai dit que moi, j'ai changé mon fusil d'épaule. Je suis venu faire ma part de pèlerinage ici. Je suis venu réfléchir ici. Et moi, ma façon que je fais, si je veux continuer ça, Alice Desgrément. Maman, laisse-moi parler là. Mais attends, mais tu parles pas. C'est comment? Moi, je suis en direct là. C'est comment? Oh. Qu'est-ce qui se passe là? Hein? Tu n'as pas les écouteurs? Non, je n'ai pas les écouteurs. Comment? Ben, va en haut là-bas. Maman? Oui, je suis en direct. Comme je disais, vous voyez nous. Comme ça, moi, je fais la loi là-bas, chez moi, là-bas, tu ne parles pas fort. Tu vois un peu. Donc, voilà. On va arriver dans tout ça. Tu ne peux pas. Arrêtons de nous voiler les yeux. Quand il faut. Maintenant, on est d'abord, 2021, c'est arrivé. Avec le Covid-19 et tout, on n'a même pas changé nos habitudes. Moi, je suis venu ici pour voir les choses en vrai. Je l'ai écouté chanter. Que ses amis qu'elle envoie les morceaux, parce qu'elle envoie ses démons à certains gens et tout, moi j'entends comment ça chante et tout. Mais que les gens la mettent sur Facebook, que quand tu fais une petite vidéo, tu fais une petite vidéo, tu danses ça, je ne peux pas faire ça. Et que moi, je préfère mettre la musique dans les arts à Facebook, je danse la musique des arts. Que de mettre la musique de Marie-Christine Mouzène. Jamais. Oui. Parce que vous savez que les gens qui tournent comme ça, elle avait dit quoi? Que les meilleurs Nisunga sont où? Qu'elle part chez elle, que là j'ai les nouveaux gens. Les nouveaux gens sont les qui? Les Ngamba. Que là-bas elle va manger les vaillants Nisunga, les vrais Nisunga. Est-ce que tu as pensé à moi? C'est pour me dénigrer, non? Tu dénigres ma Nisunga, je ne suis pas avec toi. Tu dénigres ma maison. Tu dénigres ma maison, je ne suis plus avec toi. Ça se passe comme ça. Tu me dénigres, je ne suis plus avec toi. La vie a changé. J'ai donné un. Nous sommes en 2021. Bientôt, quand je vois les histoires de Facebook, si je vois même le journal là, je sais ce qu'on va nous déconfiner des choses. Comme ça, chaque personne va faire sa vie là où il a l'aise. Comprenons. Je ne suis plus là-dedans. Mange. Bon appétit. Hein. Si tu viens, nous. Comprenons. Donc, ça se passe comme ça. Voilà. Il y a parfois tu fais les Nisunga ça. T'as bien ça? Je viens. Je me bats à nous. Hein? Ta maison aussi. On a comme Jay? On a dit d'abord Jay. Moukamou, il a parlé. Les petites demandes sont déjà aussi. Franchement, vous tombez sur les gouttes. Hein? Enfin, bref. On était où? Donc, moi je n'ai pas pris mon temps. Hein. C'est maintenant que je réalise que nous sommes vraiment en 2021. Parce qu'on était trop enfermés dans les maisons, on était trop à faire. Je vois quand même que même avec le couvre-feu, si les gens sortent quand même un peu pour faire leurs petits trucs et tout ça. Pour voir un peu. Non, ma raison, c'est que maman, tu me détestes, je te déteste au roi. Je ne suis plus moi avec toi. Je continue ma route. Hein? Je continue ma parole. Je préfère mettre la musique dans les arts. Dans un chat, même un chameau. Malheureusement, ça veut dire les arts, les chameaux. Je mets les chameaux, je danse. Que de mettre la musique de certains Camerounais chez moi. On dit que je n'ai pas d'audience. Que je n'ai pas de vue. Tant mieux, moi je n'ai pas de vue. Ce n'est pas grave. Mais,
Les petits gens qui partagent quand même. Quand j'ai peut-être 10 000 vues par vidéo, ou bien 15 000 vues, ou 23 000 vues, ou 50 000 vues, c'est beaucoup pour moi. En tant qu'en Facebook seulement, moi je n'ai pas de page, hein. Quand tu as une page, c'est autre chose. Quand moi je n'ai pas de page, moi j'utilise les vues de Facebook. Donc ce n'est pas du tout pareil. En tout cas, bon. Donc, je vais vous dire, et puis on va continuer. On tape parce qu'on est dans la bande là aujourd'hui. Bon, je vais maintenant partir chez Compressor. Ma on a pas mal comment on a. Ma canapé Ngrenga, je dis, hein. Arrête de mentir aux gens. Tu sais très bien qu'on t'a tabassé. On t'a tabassé, oh, tu fais des Snapchats. Tu fais des Snapchats dans un lit d'hôpital. Quand vous avez appuyé des Snapchats, on a dit que maintenant on veut les gens qui sont comme moi. Hein. Quand tu fais ton faux maquillage comme ça, tout le monde sait que c'est le faux maquillage. N'allez plutôt au maquillage. Tu attends, tu apprends, tu prends l'enfant, tu vas monter pour dire que pareil qu'on te cherche. Voilà. Tu es contente là, mais n'est-ce pas? La dernière fois, j'ai fait 3 jours. Vous avez dit à Facebook comment chasser chez moi. Hein? Donc toi aussi, tu dois assumer. Comme tu fais quelque chose, tu ne fais pas des vidéos. Quand on dit aussi qu'on t'a tabassé. Ça te fait quoi? Mais si tu que. Mais c'est ce que Ngrenga, toi, on t'a tabassé. Tu es en train de penser tes plaies quelque part. Tu vas vivre chez quelqu'un. La personne, la femme. Toi, que quoi? Tu ne donnes pas les lasses. En tout cas, c'est pour vous là-bas. Vous n'avez que les petits misérables, petites vies, comme tu es parlant des réseaux sociaux. J'espère seulement que tu te portes bien. Parce que je connais les coups de poing des hommes, ce n'est pas facile, hein. La violence de ça, ce n'est pas facile, hein. J'espère que. Vous voulez manger les problèmes? Je vais vous répondre. Arrête my time. Moi, je n'ai plus le téléphone des pauvres. Hein. J'ai même le téléphone des riches. Moi aussi, je peux maintenant faire des durées jusqu'à ce que ça dure 2 heures de temps. Oui, je suis assis ici. Pour vous dire, j'ai dit Ngrenga. Ngrenga s'est fait tabasser, je confirme et je reconfirme. Ce que tu as appris là, tu dis pareil qu'on me cherche, on te cherche que tu es qui. Tu n'es rien, Toyom. Tu es à l'hôpital. Tu es à l'hôpital. Je t'ai bien dit que, avec tes gens là, hein, Ngrenga, les gens qui te supportent là, ma pépé, cotisez pour ma pépé, elle est quand même petite maison. C'est tout. Maman, regarde ici. Combien de maisons partout. Même là-bas à Rouen. Il y a les maisons partout. Je vois, j'ai un site là que les gens m'envoient toujours les notifications. Une chambre, salon. Là, j'ai reçu pour 750 euros. Pour 750 euros et à Saint-Ouen. À Saint-Ouen, 750 euros. En plein ville, hein. 1 mois de caution et 1 mois de loyer. Comment tu t'en charges de lumières et tout, hein. Oui, c'est à Saint-Ouen. Oui. Et à l'autre aussi, quelque part. Là. Moi, je donne souvent les informations comme aussi je vois dans les sites, hein. Et aussi l'autre là-bas, très grand et tout. Hein. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Les Mazembes sont là. Je vais vous bloquer. Allez donner la. Ngrenga n'a rien. Ngrenga. La veuve, j'ai dit que tu n'as rien. Oh, tu as ta tabasse, tu as ta tordu. Les dentiers, là, laisse. Je te... ouais. Pour les dentiers, là, c'est moi qui vais venir retirer les dentiers là, pour te remettre ça en brada. C'est tout. Tu entends, non? Tu n'avais pas honte? Bande de wou. Je ne parlerai toujours quand j'ai envie de parler de Ngrenga. C'est une star bracata. Quand pour moi, était ici, Ngrenga, tu es. Et tu vois ça. Bon. Allez, viens. Viens, tu vois ça. Tu viens taper pourquoi, là? Hein? Quand c'était pour moi, ici, maman, elle est partie s'asseoir, hein? Elle dit ce qu'elle dit que, oh, Dieu l'a béni. Oh, oh, Dieu a fait quoi? Hey! Maman, tu vas-tu laver ton corps au pays? Je ne sais pas. La petite pauvre chance que tu avais donne encore plus ça. Amen, canard, puis la chance là que tu avais donné. Hey! Maman, tu en fais seulement, tu deviens, on te tabasse. Maman, continue. Nous sommes en 2021. Chaque personne va porter sa croix ici à Facebook. Hey, Ngrenga, maman, quand tu vas sortir là, tu vas l'habiter où, maman? Parce qu'il faut bien sortir quelque part, tu vas être quelque part. Hein. J'ai dit que j'ai les logements là. Il y a personne qui veut. Une chambre vraiment bonne. Hein. Une chambre à 5, toi, 750 euros, même pas 1 000 euros, 750 euros. Donc tu as mis 500 euros, tu as ça. Moi, je donne ces informations. Hein.
Oui. Il y a une autre 1450 euros. Donc, il faut y avoir compétence. Quand il y a écouté déjà 1400, ça veut que c'était dans les 480 mètres carrés ou 100 et plus 120 mètres carrés. Ben oui. Vous avez l'argent, non? Peut-être moi, au courant, je vous mets en relation avec la personne. C'est comme ça. Vous ne connaissez pas pour votre star. On la tabasse partout. Tu vas vivre dans une maison qu'un gars dit seul là-bas, ça veut s'engager ailleurs. Vos histoires, c'est une histoire des sous-quartiers. Tu as dit que le Congo ça a fait que je ne suis pas né des sous-quartiers. Même si je suis né dans un sous-quartier, mais je n'ai pas fréquenté les filles de la basse cour, de la basse classe. Moi, je l'ai dit et je l'ai réaffirmé. On n'est pas pareil. Il y a beaucoup d'entre vous qui rêvent que je veux. Maman, moi aussi, j'ai fait ton atalakou ce soir, Moussa. Les coups de poing et ça. Maintenant, tu as avec ma panne, non? Oui, c'est synthétique. Attendez, je vais toujours vous bloquer. Vous avez un problème. Vous êtes jalouse, hein? Vous êtes jalouse de ma perruque? Que ça soit synthétique ou pas, vous avez ça d'abord. Vous pouvez porter ça. Ah, c'est la perruque des femmes qui sont assises, la perruque des femmes riches. Vous ne pouvez pas regarder ici. Moi, je ne peux pas y aller à ma retraite, hein? Quand je vais porter ça pour aller à l'église le dimanche. C'est pas d'abord l'église. Je vais porter ma perruque à l'église de Dieu avec mes gros cavaliers et tout ça. Moi, je vais m'arrêter, commencer à préparer. Hein. Quand je vais rentrer à l'assemblée là-bas, je vais chanter à l'église le dimanche. C'est synthétique, ça fait quoi? Et alors? Vous êtes jalouse. Allez payer pour vous. Vous ne voulez pas que je parle que de Ngrenga. Ngrengale. Quand elle avait dit ma paix, maman, jusqu'à elle était contente. Hein? Elle m'a chassé de la maison. Elle fait des longues ongles. Hein? La vidéo est là. Qu'on m'a chassé. Elle m'a chassé où? Je risque de partir au Cameroun ces jours-ci. Et je reviens au mois de juin. Au mois d'août même. Vous devez entendre. Synthétique. Ne venez pas me rater ma vidéo, pas rater ma vidéo. Si c'est Ngrenga. Ngrenga, comprends ça. Maman, tu es parti faire des. Maman, jusqu'on a parlé à Bassa, jusqu'à elle dit que non, la fille là, elle m'a fait la vidéo. Elle a fait juste à queue, elle a pris les grippes, tu que comme ça. Le Bassa là, t'a dit quoi? Rien ne va t'arriver. Comment ça fait que rien ne t'arrive? On te tabasse là, on t'a tabassé, dis donc, tu es quelque part. Tu veux faire la star, tu veux faire la grande star. Quand tu sors de ton hibernation des coups de poing qu'on t'a livré gratuit au roi, hein, ma soeur, montre là où tu habites. Pas les chaves qu'on parle ici. Tu es star, quand c'est pour moi, est-ce que tu me laisses avec ta team de ouf là, pour me ramasser souvent comme si crep, crep, crep. Moi aussi, vous faites crep, crep, crep. Ce qui est sûr, c'est ça. Ouais. Mais oui, moi j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié rien. Vous avez fait pour moi, il fait pour vous. Oh, bah. Je porte ma perruque des grandes ambitions. Ça, c'est la perruque des grandes ambitions. Donc, moi, je porte ma part. Vous voyez de loin que c'est le synthétique. Ah, mais dis donc. Vous ne pouvez pas apprécier que c'est joli la veuve. Ah, oh, est-ce ma soeur, comment non? On dit que regarde-toi ma perruque, c'est joli. C'est joli, non? C'est le perruque de la vieillesse. Comment? Je porte ma petite perruque. On vient me dire maintenant que c'est joli, que c'est les synthétiques. Vous voyez les synthétiques où? Vous savez combien j'ai payé ça chez les Pakistanais? Les Pakistanais qui m'ont mis dehors que ça en sens. Ouais, moi j'ai mes histoires ici dehors. Hein? Non, je demande à quoi, bonsoir. Ma diamante, bonsoir. NG Véronique. Je suis Tokos. Ah, Nieti. Anti, Anya, Mugu. Regardez. Bon, Esther, je veux danser pour toi, hein, parce que c'est rare que tu viennes dans mes directs. Je veux danser pour toi. Elles sont jalouses de ma perruque. On vend ça là-bas à Château Rouge, j'ai payé à Château Rouge devant vous tous, n'est-ce pas? Vous êtes là, non? Alors, vous avez, je vais danser pour une seule. Ah, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on donne plus de pouvoir aux... Ah! Il y a quelqu'un qui me cherche des pouvoirs à cette maison, hein? Tu continues de me gêner! Non, tu te crois, moi j'ai rentré moi chez moi dans ma pauvre maison, hein? Et pour vous autres,
J'aimais les poxoutes pour ma soeur. Je vais danser les poxoutes. Ngrenga, Ngrenga, je suis là. Ah oui, attends. Je mets des Bikusi. Je vais danser les poxoutes. Tu vas me payer, hein. Tu vas me payer, hein. Ngoa les tonnes. Tu vas me payer. Envoyez. Envoyez. Côte, Kurezik, et c'est un peu pour vous autres. Côte, Kurezik, aucun peu pour vous autres. Côte, Kurezik, maintenant peu pour vous autres. Côte, Kurezik, au moment peu pour vous autres. Côte, Kurezik, et c'est un peu pour vous autres. Aucun peu pour vous autres. Et c'est un peu pour vous autres. Man, aucun peu pour vous autres. Bon bois, bon pour vous autres. Bon bois, bon pour vous autres. Et gars, bois, bon pour vous autres. Côte, Kurezik, à bord de pour vous autres. Côte, Kurezik. Et toi, pas pour vous autres, pour vas-y, mangez pas pour vous autres, 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 Mangeons pas pour vous autres, tout, tout la zik. Mangeons pas pour vous autres, tout, tout la zik. Et c'est elle pour vous autres. Un bocan pour vous autres. Et c'est elle pour vous autres. Man bocan pour vous autres. Bon bois bon pour vous autres. Mangeons bois bon pour vous autres. Et gars bois bon pour vous autres. Tout, tout la zik. Un bourbe pour vous autres. Tout, tout la zik. Et toi, pas pour vous autres. Tout, tout la zik. Mangez pas pour vous autres, 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 pour Ouais, je donnais qu'on parle musique. Bah, tu vois, bah, la mine, bon, bah, va, il est bon, 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 Le bocan de miak, sous soulité, envoyé. Et quand il m'a et quand à badal se refaire, ayo pika, mahadin d'un babal pika, je danse. Qu'est-ce, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. On continue. On est deux chez Ngrenga. On a fait pause publicitaire. Allez. Ah, demande à Laetitia si il y a des dissolvants ici. Laetitia, il y a des dissolvants? Est-ce qu'il y a des dissolvants? Non, elle non plus, elle ne sait pas. Bah, devait acheter demain, ce n'est pas grave. On est deux chez Ngrenga. Notre Ngrenga adoré, parce que quand moi me fais, tout le monde a fait, j'ai fait quelque chose. J'ai une soeur qui m'a dit que non, tu es trop fatigué, à ce dernier temps, la veuve, s'il te plaît, repose-toi un peu. Laisse un peu de direct. Oh, c'est arrivé que Pâques. Oh, que c'est arrivé que on me dit que, comment chercher de la maison. Je dis, hein? Donc on a dit les informations. Je dis, hein? Mais c'est vrai que j'ai des problèmes avec les voisins d'en bas. On va passer au tribunal. Ça n'a rien à voir avec comment chercher de la maison. Hein? Non, mais les gens ont parlé, les gens étaient sûrs. Moi, voici. Je voyage, je suis mes enfants, la cheminée, voyez, Namungoy. Après, je retourne à Paris. Je serai toujours chez moi. Que ça vous plaise ou pas, c'est comme ça, chaque personne a sa vie. N'écoutez pas ce que les gens disent dehors. Donc, Ngrenga, qu'on t'a tabassé ou pas, moi aussi je veux croire. Parce que tu t'es permis de faire une vidéo, alors que tu as mon numéro, que tu pouvais m'appeler pour savoir que un temps, ma tante aussi, on t'a mis dehors. Tu ne l'as pas fait. Hein? Donc maintenant, c'est comme ça. C'est un de nous, les grandes stars, les bras à ta chose. Je dis, hein, je pose mes questions quand même. Hein? Pac, pac, c'est ton niveau, pac, pac. C'est avec le contre-maître du zoo. Donc, je te demande alors que, maintenant alors. Coucou. Ça va Paris? Ça va la maison? Bah, d'accord. Hey, tu peux pas verser ton père. Tu verses ton père, ta mère va se comment? Ta mère va se comment pour dormir? C'est la gazelle, ça va? Donc, chaque personne a son tour, chaque personne a son tour chez le coiffeur. Chez les stands Bakata, il n'y a pas de débit mesure. Tu te moques de moi, moi aussi je me moque de toi. Tu attends, non? Hein, moi aussi je me moque de toi. Oui, c'est tout. Donc, elle a dit, c'est comme ça, donnant, donnant. Donc, c'est comme ça. J'espère seulement que tu te remets bien là où tu es, là où tu fais des vidéos, dans le noir. Avec gazoulette. Avec gazoulette que tu fais là. Laisse là. Ne me lâche pas gazoulette dans tes choses là. Laisse gazoulette tranquille. Tu dis A, B à l'enfant. Toi, tu ne sais même pas si on appelle A, B. Tu vois que c'est quoi? Maman, toi, tu vas aller épouser la nouvelle génération. Voilà notre petite Catherine ici, sa maman c'est une métisse. Et c'est ça. Mais c'est ça qu'il s'agit. Comment une fois avec métissité, avec Catherine, hein? Tu écoutes les noirs, tu écoutes les dents. On n'entend pas dans les histoires parce que ça va foutre les gens. Mais comment on parle de tout? Allez, viens prendre pour la fancy. Bon. On était chez Ngrenga. Et il dit que quoi? Vous parlez de quoi là? Si, c'est pour insulter mon enfant. Hein. Les gens qui insultent cet enfant, il faut lui dire que cet enfant c'est une star. On l'insulte depuis qu'elle a un an. Depuis qu'elle a un mois. Quand ils sont en tout du Cameroun, ça a commencé. Tous les stars Bakata ont insulté cet enfant. Je ne peux pas vous dire les obscénités qui sortaient sur les bouches des mamans. C'est cet enfant. Donc c'est une star. Elle est habituée aux injures comme tous mes enfants. Mes deux filles et celle-ci sont habitués, donc ça ne nous dérange plus. Si quelqu'un va venir insulter mes enfants,
C'est votre pour moi, je vous reprends même. Non, non, non. Il y a fait trop bon à loi. Ok, ok, a dit des serres. C'est une djiboulou. C'est une bams. C'est une bams. Ici, on appelle la tête des bams. La tête des gens bizarres. C'est une bams. C'est, moi, j'aime son front, regardez. Il va souvent faire les chignons. Oh, oh. Vous négligez les enfants quand ils sont petits, maman. C'est tous les enfants qui sont là qui nous sauvent dans la vie. Hein. Non, allez, bon, là, je pense que mon œil va se. Et le bébé, Esther, voilà ton enfant ici, ta petite fille, vous avez fait quoi pour elle? Pardon, laissez ma petite fille comme ça se débrouille ici. Et elle a ses grands-mères ici qui sont là pour elle. Ses grands-mères. Ok, maman, oui. On était où? T'as vraiment la plus de la mère à te dire. Ah là là, vraiment, tout est blanc là. Rien ne vaut le naturel. Vous voyez? Rien ne vaut le naturel, mes warriors. Je vous dis. Bon, on continue. Donc, pour te dire que là où tu es caché là, ne fais pas comme si tu attends que tes blessures soient pensées. Et quand vous avez fait les stages, les Snapchat, les Snapchat, chat, là, qu'on fait là. Ce qui fait qu'après, vous faites les chiffres comme ça. Vous ne connaissez pas faire ça, hein. Vous ne connaissez pas faire ça. On t'a tabassé, Ngoza. Quand je vois la team de Wouhou, là. Vous ne pouvez pas mettre, maman. Vous ne pouvez pas. Même en studio. Il y en a. Même dans le bon coin. Vous êtes dans le bon coin, logement. Même, je ne sais pas. Il y en a. Je vous dis, il y en a. Vous trouvez un petit studio, même devant une chambre, d'abord, tu te bats là-bas seul. Dans la vie, hein, vous comprenez? La vie, c'est un éternel recommencement. Ne dites pas que tu n'as pas le mkak. Tu vas dire que tu veux prendre quelque chose, tu vas payer cher. Tu ne peux pas. Hein? Vous avez les souris qui dorment dans vos machins, tout ceci. Vous savez, je suis comme je suis, hein. Comme je vous ai dit, mais voilà. Mais, non. Je ne laisse pas Ngossa, je ne peux pas la laisser. Beauté Zafira, je ne suis pas d'accord avec toi, ma soeur. Je laisse Ngossa, hein. Quand Ngossa, l'autre jour, que j'ai fait 3 jours et demi, 4 jours, sans aller à Facebook, l'histoire est sortie comme un chasseur de chez moi, non? Ngossa n'était pas contente. Je ne peux pas laisser Ngossa. C'est une star d'Akata. Elle doit assumer. On l'a tabassé. Pour ses infidélités, on l'a tabassé, Roa. C'est toi qui parles au Cameroun. Maman, tu parles chez le marabout. Tu parles chez le marabout, Ngossa. Tu parles donner les dons. Tu parles faire les dons là-bas aux enfants. Tu rentres. C'est la même chose, la même routine. On te tabasse en plus. J'espère seulement que le danger là n'est pas tombé là où t'a tapé là. Parce que les trucs que tu montes là, c'est tous les trucs snap chopés avant que tu avais fait avant. On a dit que, oh mon cher, tu as fait ça avant. Et maintenant tu mets. On va assois-toi comme ça, comme moi, la vieille joyeuse comme ça. Moi, quand j'ai les coups, hein, moi, chaque fois que j'ai eu les coups à Facebook, et que moi je me cache, je dis, m'assois toujours que, moi voici, pour affirmer que moi, je suis là, je suis encore vivante. Mais montre-nous si tu es vivant de Ngossa. C'est ça. Parce que, yo, Facebook, c'est que, mette beauté. Parce que tu es ma soeur que je te parle. Parce que je sais qui tu es. Tu entends, ma chérie. Quand moi, mon frère, le mari de Touy l'a tapé, roi. Là où on habitait dans le canapé, là où est-ce que ce qu'on n'a même pas pu payer. Et que donc, là, tu quittes ici chez nous, tu nous donnes 6 mois de loyer, tu ne payes pas, et toi, tu vas faire des choses au Cameroun. Facebook, c'est va nous tuer nous tous. Mais moi, ce n'est pas vrai. Moi, tu me tapes maintenant. Je dis encore ma soeur à Facebook. Pour montrer comment aux gens que je suis vivante. Parce que là, on est inquiet. Ne pas faire les photos de Snapchat, la vos histoires de Snapchat, chat, tout ça avec quoi. Alice. Oui. Après, tu me mets dans Snapchat. Hein? Oui. Tu me mets les photos aussi. Comme moi, je fais les photos là qui vont. Que je vais changer aussi ma vie. Parce que les photos là changent toute la vie des gens. Vous faites des petites vidéos comme ça. Moi, je vais faire ça. J'ai un nouveau téléphone. Oui. Oui, mais elle a fait l'argent. Même si tu fais l'argent,
Les dons avec l'argent des gens, on ne dit pas non. Mais la personne qui transporte cet argent-là peut quand même avoir aussi un peu de bénédiction. N'est-ce pas? Ah, mais ça va être petit, là. Oui. La personne qui transporte cet argent aussi, il y a encore un petit peu de monnaie, ma mère. À mon bout, il y a un peu de monnaie, les nécessités. Mais pour tout le monde, il y a un bon bout de la pauvreté. Il y a un soir que ça, on a dit tout le monde à bord. Non, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Mettez les cœurs, appuyez là-bas. Les cœurs que vous mettez ici, ce n'est pas bon. Mettez les cœurs là-bas. Les gens de Ngossasson là. Les bandes de rate-rate. Maman, les rate-rate. De Facebook. Pas ici, moi. Ici, moi. J'ai raté ma vie. Je suis pauvre. Je ne dis pas non. Vous comprenez, non, maman? Mais, dans la vie, c'est un pour un. Parce que quand moi, pour me faire ici à Facebook, j'ai eu honte. J'ai eu honte. Que je me donne conseil, je dis, attends, qu'est-ce qui se passe même ici à Facebook? C'est une soeur à moi. Et Soba qui m'a dit, Milène de Soba qui m'a dit, tu es allé, tu es fatigué, ma voix, repose-toi un peu. Ah. Vas-y, rappelle-moi. M'a dit, on me dit seulement que, ah, même m'a dit, mais je n'ai même pas de trésor, j'ai fait vendredi, soit samedi, dimanche, lundi, mardi, j'ai fait le dit, c'est mercredi alors que je dis que, ah, j'entends seulement que, wow! On dit partout quand t'as chassé la maison, il m'avait regardé un peu l'histoire. Je vois Ngossa qui est assis, assis de faire les ordres, qui dit que Dieu l'a aidé. Quand on parlait pour les autres, alors que j'ai dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis assis dans mon canapé, je réfléchis aussi dans mon canapé, j'ai mes choses aussi à faire, j'ai mes petits trucs administratifs à faire. Pour moi, ce n'est pas facile. J'ai, même tout à l'heure, j'ai parlé de certains trucs administratifs avec ma fille, pour l'association de mon mari. Parce que ça, que ça fait, ça dure depuis longtemps. On attend. Il y a des choses comme ça que tu es dans ta tête, tu restes comme ça, tu dis que, mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, toi aussi, tu as fait longtemps, reviens, viens t'asseoir, fais comme moi. Moi, je suis assez courageuse, après, je bagarre avec toi, tu me tapes, parce que j'ai encore m'asseoir. Oui, moi, c'est ceci. Oui! Mais c'est ça, Facebook, non? Moi, tu me tapes, hein? Je dis, m'asseoir, quand tu m'as tapé, je parle, moi, ici, avec vous, je pleure ma part. C'est de ça qu'il s'agit. Gros ventre de caca, oui, comme ta Ilan Sales, c'est comme ta sa chien de mer, Satan, qui t'a mis au monde, elle aussi a un gros ventre de caca, là où tu es né, parce que tu es né dans un cabinet qui pue, tu entends, non? Donc je te bloque pas, tu vas rester là pour nous animer la soirée, parce qu'on a besoin des énergumènes comme toi, oui, d'accord? Ok, bon, on continue nos choses, vous faites ces gens comme ça, hein? Qui vient d'insulter les gens, et tu vas voir qu'elle assise comme ça, elle est voltée dans un canapé, elle ne s'est pas lavée pendant 5 jours. Elle est là, elle se lève, elle se lave son gros corps des asticots qui pue dans ses fesses, elle va seulement prendre la nourriture, elle vient, ça sont les mêmes asticots, elle ne se rend même pas compte, tellement qu'elle est grosse et moche, elle ne se rend pas compte qu'elle a tout de pourri quelque part. Ça, c'est ça, les gens des réseaux sociaux. On continue. Il y a celle qui reste là, il veut qu'on ne parle de lui, on a parlé de lui, si continuons, le... mais c'est comme ça qu'ils sont. Tu es où, tu sors d'où? Qui te connaît? Ou à sauver ou à crever? Bah donc, dégage. Allez. Dégage, on te laisse un peu là. Fais-nous un peu rire. Je ne prononce plus son nom. Bon, mes chers Warriors, nous on est là. On est chez Grégoire ce soir. Du Warriors. N'en j'en sors pas ici là. Et pourquoi n'en j'en pas ici? Parce que comme je vais aller étudier là, j'avais mon show étudier là-bas, il faut que. Que je deviens comme les filles du pays là. Hein? Mais je te regarde pas, je bois. Moi, mais ma chérie, moi je suis une alcoolique notoire. Je suis même une droguée. Moi j'accepte moi. Moi je me dis c'est ma vie. Hein? Tu as ma photo, maintenant. Filme-moi si tu veux. Mais balance ce que tu veux. Balance. La sec même là où je prends la coke. Vous allez à balancer où mes enfants savent tout. Hein? Faites ce que vous voulez, c'est votre problème. C'est le petit chantage notoire des petits gens qui ont raté la vie dans les réseaux sociaux. Tata, ma chérie, je suis devant toi. Tu vas parler, tu vas faire ce que tu veux là. Dès que les gens voient qui tu es. Voilà, on continue. Je mets les entrejambes. Pour faire quoi ici? Ce n'est pas que tu veux déjà voir. Mets-nous les entrejambes. Bande de banane, ta putain de chien de mettre tes entrejambes. Est-ce que t'as pas toi-même? Bon, on laisse la personne se débrouiller là-bas.
dans ces trucs. Les réseaux sociaux, c'est comme ça. Tu es assis là-bas, les gens sont jaloux parce que tu as une belle vie. Je suis entouré avec ta femme, ta famille, avec les Namangoué. Les petits inclus viennent parler leur connerie parce qu'ils sont jaloux. Parce que vous êtes jaloux de moi. Les jaloux, la jalousie va vous crever. En tout cas, santé à vous. Ngwenga, montre-nous bien t'asseoir à Facebook, ma. Tu nous dis comment tu vas. Ne fais pas dans ta mania. Parce que moi, j'aimerais bien que quand tu vas sortir de là, tu nous montres un petit appartement bien. Tu dis que, mais comment on appelle ça? Elle nous dit que là, tu veux un appartement. Elle voudrait sa nouvelle maison avec sa casoulette, avec ses deux filles. Moi, là, je vais applaudir. Je veux même pas la vidéo. Je veux partager la vidéo là. Comprenez, non? C'est de ça que nous, c'est de ça qu'il s'agit ici à Facebook. Vous comprenez, non? Pas que, là, où elle est couchée, là, les coups de poing sont en train, comme elle voit même cela, c'est comme le macadou. Les coups de poing sont en train de là, traverser le corps partout. Elle ne sait pas comment faire. Elle met les Snapchat pour dire que elle va bien. Tu ne vas pas bien, maman. Tu peux pas aller bien. Tu parles, demande-moi ce matin, tu as escroqué 10 000 euros à Sylvie Ternière, normalement. C'est 10 000 euros là, avant d'aller d'abord investir au Cameroun, tu devais déjà chercher là où tu, quand tu vas rentrer, là où tu vas dormir ici. Tu peux le loyer de 4 mois. Tu pars rester au Cameroun, tu reviens, tu entres seulement que clac, 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 tu entres chez toi. Tu comprends, non? T'as la vie, ça se passe comme ça. Tu n'as rien. Tu veux aider les gens. C'est pour ça que depuis des années, tous les dons que tu as fait, ma père, va faire les dons. Ce sont les gens qui ont donné l'argent là. C'est eux qui récoltent comment on appelle ça? Qui récoltent les bénédictions. Toi, tu n'as aucune bénédiction parce que tu dis que tu es dans le sein de pauvreté. Je suis désolé pour toi, père. Moi, je te parlerai toujours comme ça. Parce que la dernière fois, comme c'était pour moi, t'es où là, la bande est où là? Tu as venu m'insulter là-bas. Après, c'est une histoire qui n'est pas vraie. Et c'est ça qui n'est pas vrai. Donc, c'est que nous, on est là. La duo, c'est là. Je veux finir avec vous. Et le dentier là, vous l'êtes caché là. La bande de ou là. Je vous dis que les gens vont récupérer le dentier là. Je veux l'arracher. Là, les dents de Ngosa. C'est moi qui vous dis. Et je vais remettre ça à. Comment on appelle ça? On vous attend. C'est tout. Vous voyez un peu. La vie, c'est comme ça. Et les gens qui sont assez bizarres. Tu as tué là dans ton petit monde avec tes warriors, les grandes femmes, les gens qui aiment bien te voir, une bande de sales chiennes qui ne donnent rien fait dans la vie. Mais avant d'être leader, moi je suis leader de mon gouvernement, du gouvernement de la joie. Moi je sais quand même que je ne peux pas chez moi. Je sais que je suis assise. Boudanganga, elle est assise où? Dans quel gouvernement? Le gouvernement de la honte? Le gouvernement des escroqueries? Le gouvernement de rien, c'est une femme qui ne peut pas vivre seule. C'est une femme qui a appris à vivre dans les canapés des gens. C'est une femme qui ne peut pas. Elle a peur. Elle a peur de quoi? Mais. Toujours sortir avec les petits pauvres gars qui la cassent les dents partout. Hein? Les dentiers. Comment j'ai su que vous savez les dentiers? Mon petit frère, que vous connaissez là, il m'a dit qu'un jour comme ça, il part chez Sanga. Il trouve que Sanga est avec confusion. Dans les lèches-lèches. Il part, dit que bon, moi je reste au salon comme ce matin. Dès qu'elle est en train d'enjoyer là-bas avec la fille là. Il ne savait pas que c'est un gros salon. Il reste au salon, il fume son bang là-bas et tout ça. Il part une autre lettre pour dire que le matin arrive. C'est comment les gens se sont tués là-bas. Ils ne touchent que oui. La fille s'appelle Karine parce que c'est ma belle soeur. Elle a eu l'enfant avec mon cousin. Parce que moi, quand je parlais avec preuve, une ivoirienne. Vous comprenez? C'est pour ça que mon frère parle, il dit que il veut prendre, il trouve un dentier. Un dentier. Écarte mon son. Parce qu'on appelle ça chez nous que écarte mon son. Il dit que écarte mon son. Ça a vu l'écarte mon son dans. C'est alors pour ça que quand il sort, il dit, hey, mon frère, c'est comment? Il voit comment qu'on fait ça, pas. Elle voit. Et que non, moi, je suis venu la nuit quand tu as les clés. Je suis venu à la chambre, j'ai trouvé que tu es là avec c'est lui qui m'a tout dit. Et lui, c'est pas quelqu'un qui ment. C'est pas quelqu'un qui ment. Il m'a tout dit. Oui, le petit frère, mon petit cousin là, qui vient souvent à la maison là. Notre Fali,
Vous connaissez les familles pour parler à la maison de la veuve, non? On gada. Moi, je ne parle pas des trucs qui partent loin. Oui. C'est comme ça que c'est lui qui m'a affirmé que, il y a 4 mois de somme. Vous n'avez pas les dents. Vous n'avez pas vu la dernière fois qu'elle était au Cameroun, comment elle a vu. Elle a voulu aussi tirer un peu la viande, comme tout le monde dit, mais vous n'avez pas remarqué. Est-ce qu'on tire la viande ici? Pour monter quoi? J'étais là, j'ai vu. Hey! Il fallait se faire tomber de pangala. Heureusement que le tout là, c'est souvent fermé. Quand on te donne ça, c'est fermé avec une dent ici. Donc tu mets ici. Et je dis, et un truc là que c'est fermé. Tant en temps, tu dois enlever. Tu mets un fixe aux dents. Tu viens un fixe aux dents. Bah oui, pourquoi pas. Ça va être laid. Bon, tu peux. Ouais. Les fixes, non, c'est vrai, moi quand je parle mes choses, c'est des fixes sur. Et dans mon goya, on a ce bonda. Ouadjoya. Oui, viens montrer. Viens. Voilà, Alice Degremont qui a mis la perruque. Alors, ça te va ou ça lui va non? Donc, fais le nyanga, fais bien le nyanga. Fais le nyanga comme une fille boulou, fais pas le nyanga comme une blanche. Quoi? De vrai nyanga. 800 personnes? Non! Et vraiment? J'ai ils aiment trop le congrès, ça, c'est trop. Là, ils font pas des choses. Non, pas les vraies choses, mais ça, c'est quoi ça? Bah, le film est fait à côté, hein. Oui, moi aussi, mon bébé. Hey, elle ne veut pas être sur sa tête. Attends, attends, attends. Viens ici. Viens, viens. Viens. Je suis sœur à l'enfant. Tiens, maman. Elle a vu les diamants, la dame. Et comment ça? Il a dit que moi je suis là, on me dit que tu es né. Elle sort avec, parce qu'elle sort dans le tu depuis. Vous savez qu'elle sortait aussi avec on a, la femme qu'on a arrêtée pour la tontine là, c'est Sanga là-bas. Attends, non. La femme qu'on a arrêtée là, moi je ne dis pas son nom. La femme qu'on a arrêtée pour le dentier là, pour la tortue, celle qui a témoigné chez Lolo là, c'est Sanga là-bas. Moi je ne sais pas les noms, hein. C'est Sanga là-bas, hein, titulaire. Moi je ne savais pas que. Oui, mais je soupçonnais quand même qu'elle était comme ça. Maman! La qualité là-bas. Quand tu es raté, raté, hein, tu vas qu'elle. Non, 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 tu ne fais pas de bruit comme ça, parce que grand-mère n'aime pas quand il y a trop de bruit. Tu t'assois comme ça, d'accord? Oh, tchap, tchap. Oh, tchap, 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 tchap. Je t'ai dit que le dentier, c'est pour ça que je vais récupérer le dentier, là, je remets son bras à table. Parce que le dentier que Pachoukou n'avait payé. C'est pour ça que moi, je m'en fous. Le dentier, il va récupérer ça, tôt ou tard. C'est mon frère qui m'a dit que. Elle est dedans depuis. Il n'y a que moi aussi qui j'attends même quoi. Je ne sais pas pourquoi dans les choses là. Mais bon, est-ce que tout le monde n'est pas. D'abord, je ne suis pas très. Elle ressent de certaines choses. Moi, je ne suis pas dedans. Je suis hétéro, pur et dur. Maman. Maman Ngoza. Donc, dans la vraie guerre même qu'il y avait entre Gankam et toi, Facebook, c'était ça. Ce n'était pas des parce que je ne comprenais pas vos choses là. Oh, tu descends, tu montes, c'est ya. Toi, tu es crasse. Voilà la vraie guerre. Parce que quand vous analysez tous ces films-là, tu dis que les deux gens se mettent comment elle. Mais ce qui me plaît, c'est que ma femme Gankam, elle est harmonieuse. Tu veux la femme de la maison de Gankam? Parfait. Mais maintenant, toi, tu as sur le canapé tous les jours que tu as créé. Oh, t'as pas elle tous les jours que tu as créé. Quand pour moi arriver ici.
Oh, on m'a chassé à la maison. Jusqu'à dire que Dieu est grand. Dieu est grand, hein, quand tu chasses une personne. Mais moi, on peut me chasser. Moi, je trouve là, là, là. Mais toi, depuis des années, tu n'as même plus jamais payé un loyer. Tu n'as même pas une facture qui est venue à ton nom. Toutes les factures que tu as, c'est les factures du vol. Les factures du vol, les têtes à chien, les wou, cotiser au moins. On les envoyait au Cameroun pour aller se faire monter. Vous prenez la chance de Moussa. Moussa, les filles, prennent ta chance. Vous prenez la chance de Moussa. Vous prenez la chance de Moussa. Tous les jours, les problèmes, les problèmes. Est-ce que normal que quelqu'un voyait tout le temps au Cameroun, quand il est dans les canapés, les gens. Et tu parles fort. Hein? Mais c'est ridicule. Hein? C'est ridicule. Mais bon, mais au moins, tu es bien, elle. Hein? C'est bien. Non, énorme. Faut pas faire des choses comme ça. Attends d'abord, je te mets la perruque pour voir si ça va être. Ça va t'aller. Hein? Tu n'enlèves rien là. Ah, la beauté des dégréments, hein? Ah, hein? Ah, risotto est monté là-bas. Je te dis que Alice, de ça risotto, il pleut même. Il veut sa mère. Il faut dire à Alice ça que risotto le cherche. Hein? Je vais monter aussi risotto ici. Là, risotto ici aussi. C'est mon fils, mon petit-fils. Ça, c'est l'enfant de Laetitia ici, risotto. Laetitia, risotto te dit bonsoir, tu nous vois. Hein? Rentre bien. Risotto. C'est notre risotto. Allez, tu as éteint les plantains? Merci. Ça, c'est risotto. Et sinon, on accepte tout. On te risotto. Parce que quand ça se la dèche chez nous, on va le cuire. Vite fait, bien fait. Avec la mougoua, on va manger ici là-haut. Moi, je mange chien. Mais, ouais. Et la mougoua aussi veut qu'on porte, parce que je vais porter risotto. Oh, moi, je suis grand-mère. J'ai un chien. J'ai un être humain. C'est risotto, c'est l'enfant de Laetitia. Ma dernière fille, voilà son enfant ici. Risotto. On va faire comment? Il faut aimer les animaux. Oui, mais. Quand ça serait ma chien, on va le briser ici. Wow. Il dit, ça va manger. On va briser. Personne va savoir que c'est risotto qu'on a mangé. Et le verre de ça. On va nous faire avec le mojom et tout ça. Le mojom, le messeré et tout. Bon, descendez alors, les risotto. Allez. On va faire avec le messeré, le mojom et le. et le yam. Ah, il dit qu'avec le. Le piment de ça, parce que quand on mange un chien, il faut mettre beaucoup de piment, hein, parce que ça c'est pas facile de manger un chien. Je connais comment manger un chien, non. Même les chiens, ils mangent haut. Ouais. C'est mon lécheur. Oh. Peut-être grossier, hein. C'est mon petit-fils. C'est des bâtards, tu sais. C'est ton lécher, c'est mon petit-fils. Comment un petit-fils peut me lécher? C'est normal. Bon, je vous laisse. Risotto, par terre. Ah, tu dis que les tirettes parfois ici. Tu dis que merde, qui vous a même mis ici? Je n'avais pas mis les commentaires là. Et c'est comme on veut y aller, lécher bien. Au revoir. Va avec maman, hein? Ah.
J'ai dit que je ne gagne pas plus l'argent des gens là. Ces gens là que quand tu vas faire, ils ont tellement fait du mal aux gens que ils n'ont plus besoin de partir et même au pays. C'est toi qu'on envoie au pays. C'est toi qu'on envoie au pays avec l'argent. Pour dire quoi? Comment une présidente d'une tontine n'a pas de maison? Même pour habiter. Une présidente d'une tontine doit toujours avoir là où on connaît son adresse. Même si on ne connaît pas ton adresse, quand tu es d'abord digne, on sait que voilà une présidente qui est assise là où les gens vont te suivre. Vous êtes d'accord? Oh, tu donnes des dons, tu fais des dons. Depuis que tu fais des dons depuis des années, rien n'a changé. Change de tissu d'épaule. Change. Les gens viennent t'utiliser pour dire qu'on te met en haut alors que non, ils se moquent de toi. Parce que moi, je peux pas faire que moi, je n'ai même pas là où dormir. Je quitte ici, je prends les billets d'avion, je pars au Cameroun, je reviens. Je ne sais pas où je vais dormir. Je ne sais pas. Et puis, tu es une personne qui doit voyager, pas. Après, tu rentres chez toi, tu tiens. Tu ouvres ta porte, tu dis rester. Ce que je dis, c'est pertinent. Hein. Vous comprenez, non? Ne dites pas que la voix, j'aurais tellement tué qui, tu as quoi, je ne suis rien. Mais bon, moi, je suis un peu chez mes enfants. Quand j'arrive ici, j'ouvre la porte quand même chez mes enfants. C'est normal. Quand je pars chez moi, j'ouvre la porte de chez moi dans mon beau gars de là-bas, Ouganda. Je suis chez moi. Je suis assis chez moi. Vous, vous n'avez rien. Comment on peut prendre? On utilise, c'est tout. Les gens t'utilisent pour. Parce que je ne sais pas. Au moins, pour mettre ce qui peut être la petite chance qui peut t'arriver. Parce que, attends, tu as quand même un peu de chance. La petite chance quand même pour ça. On est d'accord? La petite chance qui te donne là, il préfère encore ça. Goussa. Mais attends, on ne doit pas parler. Moi, je veux parler. Goussa, ce que je veux, c'est seulement que là où tu es là. Allez, t'es en forme, les autos. T'es en forme, mais il y a qu'il y a un soir, les mêmes. Tout ça. T'es en forme. Mais oui. Un chef d'État doit toujours avoir là où il habite. Même s'il peut bien aller étudier, il doit étudier, non? Mais il a quand même une maison, c'est ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Tu es en train de gens viennent t'embrouiller le cerveau. Tu quittes pour au Cameroun. Et tu connais qui peut te considérer? On ne peut pas considérer un chef d'État qui n'a pas même là où dormir. Ça veut dire que tu es une Saint-Pierre. Je suis désolé. On ne te considère pas. Et moi, hein? Et moi, je vais te le dire, tu n'es rien, Goussa. Rien. Ton ventre est vide. Hein? Tout ce que tu fais, rien. Les petits chats de Moucha qui viennent m'insulter ici, ce sont des gens qui veulent que tu restes dans la même zone. Ne prends plus les dons de ces gens-là. Ne te fais plus trop voir les réseaux sociaux parce que tu n'es rien. Mais oui. Regarde-moi les petits fanfarons comme ça. Non, il me oui pour mon sou. Moi, tout le les tam-tam. Regardez-moi les sales gens comme ça. Hein? Mais maman, je suis en France depuis des années, pas de permis de conduire. Pourquoi? Mais parce que je n'avais pas le temps de conduire. Conduire pour aller où? Le permis de conduire, c'est quelque chose pour toi. Attends, je m'attends un peu sur ce commentaire. Hein? Le permis de conduire, c'est quoi pour vous? Je peux conduire si je veux. Donne-moi les clés de la voiture, je démarre, j'arrive de te trouver là où tu es, salope. Hein? Elle a conduit, hein? Elle a d'abord le permis français. Le permis qu'on prend dans le chat. Une personne qui a tué fait le faux usage de faux restaurant, tu es dans le faux. Toyom, comment on dit Toyom? Donc, une personne qui vient en France depuis 20 ans. Oui, moi, je viens en France depuis 20 ans. Mais moi, avant d'arriver en France, j'avais mes voitures, je conduisais. J'ai acheté mes voitures au Cameroun. Tu n'es pas au courant de ça? C'est pas que je ne parle pas trop de moi. Moi, j'ai eu une vie, hein. Quand je pars au Cameroun, j'avais ma voiture, hein. J'ai acheté mes voitures, j'avais mes voitures. Hein. Je conduis, hein. Pourquoi? J'ai une petite mise à niveau, là, et c'est bon. Je vais acheter une voiture que je ne conduis pas. Hein. Quand j'ai besoin d'acheter une voiture, même 2000 euros, je sors, là, j'achète ma petite chave, là, tu vas me voir comme ça. Même avec le permis du Cameroun, je vais conduire ici en France. Vous m'entendez? Je n'ai pas encore eu ce temps. Tu attends, non? Chaque chose a un temps. Et je le ferai. Et moi, je marche doucement, doucement. Moi, je ne cours pas avec vous. Ngoza a la voiture. Elle a la maison pour égarer. Elle a la voiture. Elle a appris à conduire dans les camions. La plupart des filles ici en France, elles ont appris à conduire. Pas dans les camions. Je suis désolé pour toi. Oui. Tu achètes ton camion. Tu demandes à la rave de venir te poser ça quelque part. Quand tu pars, il conduit. Mais quand la police vient que
tout le monde est dégagé de ici. Tu es obligé de conduire toi-même ta voiture. Faut aller demander. C'est comme ça que tu commences à conduire. D'accord? On t'a dit quoi? Tu connais quoi? Tout ce que je veux, c'est que Ngoza ait son local. Elle ouvre la porte. Elle fait. Coup, coup, coup. C'est ce que nous on veut ici. Elle ouvre. Elle va se cacher dans le noir, dans la misère, dans le noir, la tabasser. On a pilonné le visage. Elle va faire Snapchat. Elle va mettre à Facebook pour dire que quoi? La voiture, c'est quoi pour vous? Hein? La voiture, c'est quoi pour vous? Hein? Vous montez quoi? C'est ici en face. Les autres pas après là-bas. Dis-le, comment tu dis, Neva? Viens, nous, maintenant. Oui? Vous comprenez un peu? Eh, tu ne parles plus de compresseur. Elle te dépasse mille fois gros ventre. Elle me dépasse avec quoi, ma? Il a sa laisse. Je veux que tu restes. Elle, compresseur me dépasse avec quoi? Je veux que tu vas rester là. Hein? Moi, si je fais, moi, je pars au Cameroun. Moi, j'ai des choses que je fais au Cameroun. Bah alors, voyez les petits salés, gens, vous n'avez pas été à l'école. Vous comprenez, non? Quand les bassins sont bêtes, la plupart des petits bassins, les bassins sont, la plupart sont inculques. D'autres qui ont, vous savez, dans les bassins, la plupart des bassins qui ont été à l'école, vous comprenez, non? Ne fréquentent pas la basse classe, comme vous. Tous les gens qui fréquentent, vous, ce sont les gens qui ont été, Ce sont les gens de la même classe. D'abord, l'homme bassin même qui a fréquenté, qui a été quelqu'un dans la vie, ne fréquente pas les gens qui ne sont rien. C'est pour ça que la plupart de vous, c'est vous qui encouragez Ngoza dans sa bêtise. Comment tu parles comme moi depuis des années? Tu n'as même pas de quoi vivre, tu n'as même pas là où tu dors. Et tu veux que tu es présidente? Ngoza n'est rien devant moi, il ne sera jamais rien devant moi. Elle peut conduire, elle prend l'autoroute tous les jours, elle ne participe pas dans les camions, non? Ça, c'est lui qui dit ça. Je suis désolé pour vous. Ganga, te dépasse toi. Hein? Vous utilisez Ngoza. Une fille depuis des années, une femme qui vend les dons, qui fait les dons, et que sa vie n'est pas riche, elle n'est pas prospère. Et vous parlez de la femme joyeuse. Ngoza, c'est une pauvre merde. Elle ne s'est pas réfléchie par elle-même. Vous l'encouragez, vous lui envoyez un peu d'argent pour insulter la veuve, pour insulter Flore, pour insulter tout le monde qui est sur les réseaux sociaux, c'est tout. Elle a quoi? Savoir comme dit c'est quoi? Hein? Reste là, tu es bien, tu es la bienvenue. Hein? La plupart des gens n'ont pas de permis ici. Je suis des milliardaires, ont besoin d'avoir des permis. Hein? Ma soeur, regarde-moi les sales choses comme ça. Je veux que quelqu'un va sortir du coma où elle est là. Hein? Des snapshots qu'elle fait là. Hein? Elle nous montre là où elle est assise. Je veux qu'elle prenne la vidéo comme ça. Et que bon. On va tout insulter. Moi aussi, je vous montre maintenant là où j'ai dit. Voici ma maison ici. Là, alors, moi-même, la veuve, je vais. Quoi? Que mes filles. Hey, dégage! Que mes filles, chacun ne peut pas prendre son appartement. Pourquoi? Pourquoi prendre son appartement? Toi-même, tu vis dans quel appartement? Tu vis où? Tu es de la basse classe des bassins. Tu es comme Bossa. Les vrais bassins ne s'attardent pas dans ce genre de choses. Une vraie fille bassa que moi je connais. Les filles bassa, d'abord, sont d'abord les femmes qui sont orgueilleuses. Les filles bassa que je connais sont ça. Elles ont l'argent. Elles ont de l'argent. Elles ont de la valeur. Tu entends? Elles ne marchent pas avec les gens comme vous. Si vous étiez entouré de ce monde des vraies filles bassa là que je connais, c'est qu'elle a déjà trouvé mon mari. C'est qu'elle a déjà trouvé une maison. Une maison pour elle. Elle fait la honte des bassa et en passant, elle n'est même pas bassa. Elle est bakoko. Bassa, ce n'est pas pareil. Elle est bakoko. Hein? Tu entends, non? Donc moi, je le dirai toujours. Allez vous faire foutre. Vous allez vous encourager la fille de Thuy à faire vos sales choses, vos sales besoins. Tu peux insulter mes enfants. Pourquoi es-tu les. Pourquoi vous êtes les bassins de la basse cour. Attends, non. Voilà, et ton fils qui est là-bas, et ton fils n'est pas un bassin. Hein? N'est-ce pas? Je crois que c'était mon mariage de ton fils, un truc comme ça au Cameroun et tout et tout. On n'a pas situé aussi. Voilà, t'as l'air quoi? C'est une étonne bassin. On est bien d'accord. On la regarde, elle là. Mais c'est n'importe quoi. Moi, personne ne me regarde, moi, je ne suis pas comme elle. Hein. Moi, j'ai quand même les crocs. Quand je sors quelque part, j'ouvre ma fenêtre. J'ouvre ma porte. Et bien chez mes enfants, j'ouvre mon truc. C'est quoi votre problème? Tu n'as rien à dire. C'est vous qui allez tuer Ngoza.
Parce que je pense savoir qu'une femme qui fait les dons depuis des années, ta vie est toujours aussi médiocre, insignifiante. Oui. Dès qu'elle dit qu'elle ne fait plus les directs à Facebook, oh mon, il n'y a personne qui parle là-bas. Hein. Dès qu'elle commence de verbe joyeuse, elle commence comme des. Elle commence. Vient de Lille, boum, elle a les vues. Mais après, ses ongles poussent encore, vous envoyez l'argent, les ongles poussent encore comme ça. Ses ongles ne font que pousser, pousser, pousser. Oui, elle est adepte pour nous combattre. Moi, ça peut combattre qui? Tout s'est passé là-bas, j'étais seul, j'étais là avec les. Je viens de perdre mon enfant, j'étais un peu sous, j'étais encore sur médicaments, le tout. Si je veux la lever le dentier, comment veux-tu qu'elle va me battre? Le tout, c'est moi qui vais la battre. Même avec ma maladie et tout ça, j'ai quand même mis son dos. Si le navire, je pas, n'était pas là. Et si j'étais sur avec trois personnes, je suis là, j'allais la frapper, elle dit que non. Oui. La honte veut vous tuer. Gossa, c'est mon ennemi. Va conduire pour aller où? Les riches conduisent. Moi, j'appelle mon taxi, mon Hitch, mon Uber, mon Bolt. Mon Bolt. Quand je n'ai pas l'argent, je prends les Citigo. On me conduit où je pars. Une soulade comme moi. Hein? Je suis quelqu'un, ma chérie. C'est toi qui n'es rien. Gossa n'est rien. Quand tu me vois, je suis assis aussi chez mes enfants. Je bois mon Dagobert. Toi, tu es où? Montre ton visage. Tu n'as qu'un petit langage de petits sales bassards qui ne foutent rien dans leur vie. Qui sont la basse classe, la basse cour. Ils ne peuvent pas parler le vrai français. Tu n'es rien. Voilà un gosse avec quoi? Son ventre est muet. Ses fesses sont muets. Elle n'a jamais fait quoi que ce soit dans sa vie de positif. Tout ce qu'elle fait, c'est par intérêt. Hein? Bien comme ça. C'est mon téléphone, chérie. Je ne sais pas. Hein? Tu es dans mon direct, tu vois le direct de Moussa. Vous ne pouvez pas venir vous imposer ici, hein? Tu viens t'imposer où? Tu peux venir t'imposer chez la veuve joyeuse? On ne s'impose pas chez moi, parce que quand vous me faites là-bas, je viens vous imposer chez vous. Vous n'avez rien. Vous n'avez que les petits mots, les moufs, les machins. Moussa, c'est une petite sache chaîne que je paye. Quand j'avais les moyens, même si ça prend un petit peu, viens me faire ça. Lave-moi le sol. Balais-moi ici. Fais ça. Je vais préparer le bongo job. Je vais manger le bongo job. Elle peut me servir. Elle peut me servir. Maintenant, non. Moi, je te dis que oui. Et voilà, alors là. Elle est dans les coups de poing. Oh, ah. Boum, 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 boum. Tu vas vivre chez quelqu'un. Tu es un homme. Tu ne donnes pas le truc. On t'a tabassé là. On l'a tabassé partout. C'est comme ça qu'on l'a tabassé. On l'a tabassé où? On l'a tabassé là-bas, non? Comment on appelle Achille est venu la tabasser. Mais elle va vivre, c'est une femme qui est basse. On adore qu'on la tabasse. On adore qu'on la tabasse. Eh oui. Vous qui venez la repos là, hein? Ah, dis donc, bon. Toi alors, ma chérie, bon, je pense que toi et moi, on est arrivé dans un moment qu'on doit se quitter, hein. Parce que tu n'es pas de ma classe. Comme tu n'es pas de ma classe, donc mieux vaut tu quittes. On a été très heureux de te recevoir ici. Tout ce que tu dis est inutile et sans avenir. Et c'est irrécevable au gouvernement de la joie. Donc, on prend congé de toi dans le grand français. On prend congé de toi. Ciao. Et je vais vous dire une chose. Les gens comme ça qui m'insultent ici, ce sont les gens qui sont amis avec moi dans mon vrai profil, qui passent par derrière. Oui, oui, bah, allez-y, c'est un film de quoi en français? Non. Bah si, je sais, bah, ça c'est une tête de française là, attends. Bah attends, tu me prends pour qui là? Maman, c'est Largo Winch. Mais Largo Winch, c'est français. Ah bon? Bah tu veux pas de la tête de juif là, devant là? Ouais. Oui, hein, tu as vu? Moi j'ai jamais vu Largo Winch. Donc vous voyez pour les gens comme ça, c'est mon problème. Hein? Ouais, vous venez? Donc, ce qui fait que moi, mes waros, nous on est là. Quand il faut parler, il faut parler. Les gens qui sont derrière Ngosla, ce sont les gens qui nous donnent la poisse à Ngosla. C'est moi qui te dis, je suis une jumelle à Ngosla. Change ta vie. Regarde comment ta vie est. Comment?
Tu n'es même pas là où tu es. Tu crois que moi, je ne suis pas habité chez moi. Et je pense que peut-être que tu ne m'as pas payé mon loyer même. Tu n'as même pas payé mon loyer. Après, tu quittes. Hein? Tu quittes. Kounia, kounia, kounia. Tu pars au Cameroun pour revenir habiter où? Dans mon canapé? Et tu continues à faire les vidéos et tu continues à parler dans mon canapé? Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ma mère m'avait appliqué, hein, mes warriors, dans la vie. Chaque mois, tu dois payer le, ton courant, électricité, comme on dit, et l'électricité. Tu dois payer l'eau. Tu dois payer ton loyer. À l'époque, on payait le loyer chaque mois. Oui. Et quand tu as l'argent, et quand tu as l'argent, vous comprenez, non? Hein? Tu payes plus que ça. Vous comprenez? Donc, ça se passe comme ça. Tu ne peux pas te prétendre, tu es Mère Teresa. Tu aides les orphelins. Toi-même, tu n'as même pas là où habiter. Mais attends. Hmm? Mais oui. Hmm? Oh. Non. Non, mais quoi? Je ne sens pas comme ça. Voilà. On va arrêter la vidéo. Mais oui. Non, mais c'est pas trop pour la critiquer. Parce que moi aussi, quand on me critique, je dois critiquer les autres. Nous sommes des stars à Katanon. Hein? Je dis que je veux. Ouais. Je veux prendre les dentiers là. Maman, ce qu'il m'avait tué quand elle était au Cameroun. Elle aussi fait aussi comme ça. Elle part chez. À Yaoundé là-bas chez. On appelle ça briqueter. Où c'est briqueter? Là, on fait les soins là. Depuis quand on coupe les soins ici, c'est ici qu'on coupe. D'abord, les soins de là-bas, ce n'est pas à Katé qu'on coupe. Les soins de là-bas, c'est à Katé que tu prends ça quand tu fais ah. Tu avales. Elle voulait trop montrer qu'elle aussi vous montrer les dentiers. Non, les dentiers bougeaient. C'est le dentier et les faux sang que la là. Elle a fait les seins. Elle avait le tout de part, choukoun. Oui. Moi, pour les dentiers, je peux vous mentir. Hein. Elle dit que, non, elle avait dit que elle avait fait les dentiers, elle avait fait du. Elle ment. Vous sentez de merde là, parce que tout le monde est swing au sac. Je sais que vous êtes nombreux à la suivre, hein, je sais très bien. Hein. Tout le monde qui swing au sprit là. Tout le monde qui apprécie ces vidéos là. Hein. Vous avez l'argent, non? J'ai vu certains de mes amis qui ont des moyens aller là-bas. Elle est là-bas à liker sa vidéo, là où elle a fait avec l'enfant. Je vous vois aussi ici. Je vous vois aussi ici. Oui? Mais, trouve-lui seulement un petit logement quand elle va sortir. Quand elle va sortir, parce que moi, ça va me faire chier. Parce que s'assoit encore de sa mère là, elle dit encore s'assoit dans le canapé de quelqu'un là. Pour... Non. Le tout, c'est Ngoza. Aïe. Fais une surprise à la veuve. Fais une surprise à quelqu'un. Tu sors de là. Tu montes sur ma confort. Oh. Aujourd'hui, c'est mon jour. Mais vous êtes malade, quoi. C'était pour la commande de la nourriture. Je suis chez moi ici. Je suis dans le sud de la France. Hein. Je suis dans le sud de la France, moi. Hein. Vous commandez. Vous êtes, non, vous ne regardez pas mes vidéos. Ou bien vous êtes seulement bavardé. Non, 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 Gaël, je te déçois pas, je m'en fous. Non, 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 Gaël, je te déçois par rapport à quoi? Je te déçois par rapport à quoi? Mais c'est ce qui m'énerve avec toi, Gaël. Gaël, toi, hein, tu me déçois beaucoup, j'en ai rien à foutre. La dernière fois qu'on a dit que ma maison a fait ceci, cela, là, n'est-ce pas? Et que tu as dit quoi? Et maintenant, tu me dis quoi, je te déçois? J'en ai rien à foutre, Agnia. J'en ai rien à foutre. Ne m'envoie plus tes petits 150 euros, 100 euros que tu m'envoies ce moment-là. Pour moi, Dagobert, je l'ai dit. N'en vois plus. Tu penses pas. Tu veux, je ne peux pas laisser qu'on pessore. Je te déçois par rapport à quoi? Par rapport à quoi, Gaël? Ah oui? Vous voyez comment vous êtes? Donc, toi, parce que tu m'envoies souvent pour quelque chose, que moi, tiens, machin, je dois laisser qu'on pessore. Je ne peux pas laisser qu'on pessore. Quand moi, Gaël, j'espère que tu m'écoutes là. Je n'ai rien à foutre. Ngoza et moi, c'est jusqu'à la dernité. Oui. Quand elle est partie au Cameroun, chez le marabout là-bas, chez son vrai marabout. Chez son vrai marabout. Tu as dit quoi? Oui.
Et pourquoi moi tu dis que j'ai pas insulté qui, que j'insulte qui? Tu m'as dit quoi? Gars, tu me dis quoi? Tu peux insulter Lolo ou Foucault? J'ai insulté Lolo pourquoi? Lolo et moi, on a des problèmes? Non. J'ai insulté pour lui pourquoi? Faut que Lolo et moi, on a des problèmes? Non. Va te faire foutre. Tu es une Foucault. Comment tu dis que tu n'as pas dit que tu ne parlais plus avec Ngossa? Hein? Toi, là, Facebook, c'est la politique. Va te faire foutre. Tu entends? Va te faire foutre. Au plus profond de toi. Tu es malade. Quand moi, Ngossa m'insulte. Donc, tu aimes quand Ngossa m'insulte, en fait. Donc, moi, je me tais. Ah oui? Tu ne peux pas me taire. C'est Facebook, c'est comme ça. Hein? Va te faire va chier, dis donc. Si tu veux ne m'écris même plus jamais, ne m'envoie plus rien. Je te demande quelque chose. C'est toi qui me dis que moi, j'ai envie d'envoyer 100 euros demain. Hein? Et moi, accepte-moi. Tu crois que je m'en vais insulter Fleur de Lille et insulter Lolo? Pourquoi? Pourquoi je dois insulter Lolo et Fleur de Lille? Toi, Lille et moi, on a un problème d'ailleurs. Non. Hein? Lolo et moi, on a un problème. Non. Je les préfère ces deux bamlékés là. Mais que d'abord, me glafis. Mais insulte les bamlékés, pourquoi? Je les insulte pas. J'insulte Ngossa. Ngossa n'est rien. Toi-même, si tu es même avec tous les moyens que tu as, les moyens que tu as au pays, avec tout ce que tu es ici, tu poses à assister Ngossa. Pourquoi tu ne prends pas un appartement? Là, je m'apprends à ton d'ailleurs. Vous savez Ngossa pourquoi? Parce que vous prenez la chance de la fille là. Tu ne me parles plus. Même Bimino est lent. Et lent, nous aussi. Ne m'écris plus. Bloque-moi même dans WhatsApp. Vous ne me cherchez pas de problème? Hein? Vous croyez que je suis bête? Et moi, je te demande ce que je suis dans ma vie. Moi, ma gueule m'envoie 1 euro, je prends quoi? Que je vais insulter quand, pourquoi? Donc, je vais inventer une histoire avec toi de lui pour insulter Fleur. Comme ça, tu seras contente, jamais. Je vais insulter le nom pour dire pourquoi? Pour les beaux yeux de gosse pute. Avec tous les moyens que tu es riche, tu as tout. Toi-même. J'ai changé la vie de gosse, ça ne change pas ma vie. Tu vas tu m'envoyer l'argent, je vais te prendre de quoi? Je vais chier sur ça. Tu veux montrer que quoi? Tu n'es pas d'accord avec moi pour quoi? Par rapport à quoi? Depuis que tu es avec Ngossa, Ngossa devient l'ombre d'elle-même. Vous êtes les gens qui paient la chance de Ngossa si tu vois. On y a comme ça. Hey. Faut me laisser. Hein? Et faut me laisser ma chose. Hein? Donc c'est toi qui m'insultes là depuis? C'est toi qui m'insultes? Toi et moi, on a déjà eu une discussion. Heureusement que moi, ma bouche. Hein? Tu parles tout ce que m'envoie. Oublie mon WhatsApp. On me paye avec les miettes. Quand tu m'envoies, parfois je reste comme ça. Après, tu me dis que merci, mon Jean. Merci, mon Jean. Donc, je dois aller insister Fleur de Lille. Pour tes beaux yeux avec Ngossa. Ngossa, tu vas situer Ngossa, tu vas faire quoi Ngossa Gaël? Ce n'est pas toi-même qui m'insulte souvent chez Ngossa là-bas. Hein, ma soeur, je te dis souvent ça, non? Je te garde dedans jusqu'à ce que c'est même plus bon. Tu viens me dire quoi? Je vais aller insulter quelqu'un, je vais insulter quelqu'un quand elle et moi là un problème. J'ai entendu quelqu'un quand parler mal de moi quelque part. J'ai entendu le lot pour parler mal de moi quelque part. Donc je dois créer des problèmes. Non, mon problème c'est Ngossa. Que ça te plaise ou pas. Ouah. Je vous dis que Facebook c'est comme ça. Et là maintenant, donc c'est elle, la Gaëlle, la sale pute, la sale chienne de Gaëlle, c'est elle qui m'insultait ici. Et maintenant, comme je l'ai bloqué, là, elle apparaît ici. Vous êtes tombé très bas. N'est-ce pas, toi-même, tu fais la pute. Tu as des enfants. Tu te dis quoi? Continue. Tout le monde va te traîner à Facebook. On va te mettre à Facebook. Bon, y'a n'y a ni ou mon Dieu. Ah, man. Moi, c'est sans confiance. On y a comme ça. C'est ta petite soeur. Je traîne avec vous dans les camions de merde. Tu m'as vu dedans. Même si je m'avais le camion, c'est camion luxueux. Pas votre qualité là. On y a Ngossa, on y a Ngossa. Depuis des années, on y a Ngossa. Ngossa, DJ. Ngossa, t'as vu? Hein? Tu vois que moi, je peux marcher avec une fille qui vit dans un cabinet. Une fille qui vit dans un. Je peux marcher avec une fille qui je ne sais même pas. Hein, parce que. Qui vit dans un canapé. Qui dort dans un canapé. Chez quelqu'un et qui se fait la grande, que je suis grande sans rien. Moi, je vous emmerde. Vous n'aimez pas cette fille. Elle vous procure seulement de la haine parce qu'elle n'aime pas Fleur de Lille, parce qu'elle n'aime pas Lolo,
Je ne sais pas si elle aime de l'eau ou pas. Hein. Parce que votre problème, c'est Fleur de Lille. Allez régler les problèmes là-bas avec Ngossa et Fleur de Lille. Pas avec moi. Fleur, c'est ma femme. Je ne peux pas avoir de problème avec elle. Et si on est en premier mon jour, elle ne va pas régler ça dans le noir. Vous comprenez, non? Maman, elle est bien long de ce qu'on y a. Comme ça, tu viens d'insulter dans mes trucs, tu es qui? Vous pouvez créer un faux profil, c'est quoi? Moi, je peux créer un faux profil. Je dis ma sauce, quand ça sera en direct, je l'insulte là-bas correctement, et bien. Mais bon, ce n'est pas dans ma tasse d'été d'insulter les gens gratuitement. Moi, je suis des gens gratuitement, les gens qui m'ont cherché que j'insulte gratuitement. C'est qu'est-ce que c'est ça? Vous vous prenez pour qui? Hein? Ah ouais? Les doigts, c'est la fleur de l'île, Lolo. Ah ouais? Pourquoi? Pourquoi, Gaël? Gaël, pourquoi? Bon, ça m'a fait quoi? Lolo m'a fait quoi? Lui et moi, on a eu des problèmes. Pour l'instant, ça va. Toi, lui, pareil. Pour l'instant, ça va. La seule personne que je suis encore dedans, c'est Ngospa. C'est Ngospute. Quand Ngospa a dit que j'ai perdu ma maison ici, Gaël, tu n'es pas lui dit que non, allez, arrête ça, ce n'est pas vrai. Hein, n'est-ce pas que tu es resté là? Tu es resté là pour dire que oui, parce que tu voulais que Ngospa m'émulie. La prochaine bagarre, je vais enlever son dentier. Je vous promets ça. Je vais aller remettre ça, même si pour que même si faut que je la coupe jusqu'à ce que je ne sens que j'arrache les dents, là. Même si elle fixe, ça va être fixe aux dents. Avec fixe aux dents, je vais remettre les dents, là, aux étapes. Ouais, moi, les sales gens comme ça, on va être me manipuler avec quoi, les petites miettes. Vous me connaissez? On dit, moi, c'est une fois, mettez les cœurs. Envoyez le cœur, mes warriors, si vous êtes là. Ne riez pas. Parce qu'on a un dentier qu'on doit récupérer. Ce qui est sûr, c'est ça. Vous voyez comment je suis sur Facebook tourne. Je vous ai dit que quand tu vois une personne qui part pendant un faux profil pour venir t'inciter, ça veut dire que, ah, yemou, c'est une personne qui te connaît. Je sais tout ça. Mais bien là. Tu n'as pas. Tu le dis, c'est ma femme. Hein? Non, non, c'est ma belle sœur. Ce qui est sûr, c'est ça. Je vais aller insulter Lolo là-bas. Que Lolo et moi, on a encore quoi? Je vais insulter Fleur de Lille. Attends. Elle écrit carrément que je dois insulter Fleur de Lille et tout que laisse Ngossa. Je ne peux pas laisser Ngossa. Gaël, tu es riche, non? Tu es milliardaire, comme tu dis, non? Hein? Ce que te demande, Gaël, c'est que tu donnes nos chemins à compresseur. Là, toi et moi, on sera seul. Plus jamais. Ne t'aventure plus jamais dans mes choses. Donc, quand tu m'envoies souvent 150 euros, tu m'envoies souvent les 100 euros. Donc, c'est pour que je me calme et que n'insulte plus Ngossa. Hein? 20 milliards de pourcentage, vous conviendrez que ça peut susciter certaines convoitises. Vous ne savez pas que mes problèmes ne finissent pas. Quand je pense, dès que je pense à Ngossa, je recommence qu'à 0 roi. C'est une star. Quand elle m'insulte, vous ne voyez pas. Mmh. Allez, Gaël, n'est-ce pas? Tu as les moyens, tu as l'argent, tu as tout. Mais pour un petit boxon, un petit appartement, même pour 250, une petite chambre de bonne. On commence toujours par le bas et après on monte. Hein. Mais tu ne peux pas le faire. Vous savez ce que vous faites avec cette fille-là. Vous avez trouvé votre troubadour, vous allez partir quand on insulte Fleur de Lille, au moins. N'est-ce pas? Combien de fois, toi-même, si tu as témoigné chez Ngossa, en disant que tu avais commandé les missions, je t'avais servi, les missions n'étaient pas bons. Comment tu m'as insulté? Gaël, toi et moi, on s'est déjà vu un jour. On s'est déjà vu un jour, Gaël. La fille qui est sur la grosse voix qui insulte souvent chez Ngossa, c'est ma soeur hein, qui s'appelle Gaël. Hein. Elle te laisse souvent. Hein. Ne dis plus jamais Ngossa. Ça serait tu m'en marches et puis tant qu'elle n'aura pas mis clé pour aller chez elle. Là, voilà qu'on a tabassé là-bas, vous voulez faire quoi? La bande de Tekachine, la bande de sales femmes. Vous prenez la chance de Ngossa. Je vais m'apprendre à vous. Bon, je vous laisse. Mais what else? Vous savez que je ne suis pas chez moi ici. Les gens vont regarder leur film. Non, je vous montre. Non, moi je ne suis pas comme ça. Je ne vais pas vous montrer sa photo. Vous n'avez rien. Montez. Que Gazoulette. La fille de Ngossa s'appelle comment la grande la fille dit que c'est sa fille là. Celle qui a échoué dans le concours de Miss France ou c'est Miss Afrique ici ou c'est Miss Cameroun ici. Même Miss Cameroun n'a pas pu être belle. Franchement. Les échoués sont les échoués.
Donc, elle aussi nous montre. Pourquoi ça... Attends. Vous pensez que sur ma chaise, moi, je vais venir squatter chez mes enfants ici. Hein? Je viens squatter avec mes enfants. Pourquoi, où c'est Cananoé, où c'est Cananoël, ne peut pas prendre une maison avec la, comment elle est belle là, avec les blanches qui, les blancs qui aiment les belles petites filles comme ça, pour loger sa mère et tout. Au dernier nouvelle, elle vit avec qui? Avec un arabe. Au Bosso, Cananoé, avec un arabe. Ah, Hamdoula. Mais attends. Je ne suis pas content de la maison, c'est aujourd'hui. Bon, mais Wario, je vous laisse. Hein. Allez, tu vas regarder son film. Je ne suis pas chez moi. Et c'est normal. Ben oui, mais parce que là, je voulais parler. Tu sais que j'ai ma... Pour l'instant, j'ai aussi un peu de connexion. J'ai la connexion et j'ai le, la batterie. Tu vois, non? Par contre, notre téléphone, quand je suis dans votre téléphone... Tu dis quoi? Tu viens de crier, je t'acclame ici. Mais oui, vous voyez, non, c'est comme ça. On va continuer dans notre joie. Et avant que me fie, toi, je n'ai pas amené mon papa ici quand il dit papa. Que Cananoé aussi pas chercher aussi la maison pour sa fille. Oui. Cananoé a le même âge que Laetitia. Je suis chez Laetitia ici. Oui. C'est pour les enfants, surtout que vous voyez. Et vous-même, vos enfants n'ont pas encore grossi dans vos maisons. Ils ne font rien. Dehors, ils ne veulent pas sortir. Ils ne veulent même pas faire quelque chose pour eux. Vous les nourrissez encore. 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, ils sont tués à la maison. Ils grossissent. Ils font la loi. Quand vous avez un copain, elle ne se lève même pas pour donner la place à son copain de s'asseoir. Chez moi, ce n'est pas comme ça. Comprenez, non? Je vous ai dit que quand vous voyez un faux profil, insulté ou quelque chose, hein, je sais là où ça va finir. Oui? Tu connais bien. Elle a des immeubles au Cameroun. Quels immeubles? Elle a un immeuble. Pas, on n'a pas même ça un immeuble. Elle a trois niveaux. Vous étiez là-bas. Quand le tout là, quand elle construisait ça, j'étais là. Vous aimez tout entendre, vous connaissez bien Gaëlle. Elle épousait un riche blanc. Quel est riche blanc? Elle épousait un riche blanc, elle fait le camion. Vous voulez que je parle de sa vie ici? Vous ne connaissez rien, taisez-vous, dis donc. Hmm? Vous connaissez quoi? Vous connaissez chez nous tout? Hein? Ouais, c'est quoi? Sans compter ce qu'ils voulaient commander. Oh, Gaël, dis donc. Attends, ton mari, dis donc. Gaël, Gaël, laisse ça. Gaël, laisse ça. Ton mari a des maisons. Maman, que tu habites loin où? Elle va d'abord déménager, qu'elle a d'abord quoi? Elle a qu'on personne n'a que des habits. Ton mari est riche, tu connais. Ton mari est riche, lui. Quand pas alors, amène-la alors. Tu parles de quoi? Ton mari est riche, lui, mais tu fais quoi dans les camions? C'est ça qui a les nuances, moi tiens. Ou aborder le camion? Mon mari est riche. Une personne qui est de moi, même si tu habites en Espagne, et que tu me proposes de m'héberger, je vais quitter ici pour aller en Espagne, pour aller dormir chez toi. Parce que l'Europe n'est pas facile. Donc tu crois que compresser, et l'autre là où elle campe dans les logements des gens là. Ton mari l'a proposé dans la maison. Mais c'est bien que tu as habité dans la bonne maison, comme ça tu l'as amené dans le camion une fois, non? Laissez ça. Je connais l'Europe. L'Europe est très difficile, mais voilà. Une personne te dit que bien. Les gens qui de l'Espagne, les gens qui de l'Italie, les gens qui le sud de la France pour venir camper chez les autres. Après, c'est facile. Tu vois comment les filles quittent ici pour aller habiter dans les sous-quartiers. Arrêtez un peu de mentir. Tu n'as jamais rien proposé à compresseur. Compresseur est aux abois. Hein, si tu nous proposais vraiment les maisons que tu dis à Mojan, tu entends, non? Il m'appelle même plus Mojan, parce que toi et moi, on va se fâcher encore. Hein. Si le compresseur avait vraiment là, tu allais vraiment aider le compresseur, tu allais aider. Moi, je suis dans la rue. On manque de respect partout. Une fille de la Suisse me dit que maman, même Allemand me dit que maman, viens habiter Allemand avec moi. Mais moi, je veux prendre seulement. Mais quelques petits effets, quelques petites chaussures, quelques petits habits, mes papiers et tout,
J'abandonne le reste. Je m'en vais vivre là-bas. Parce que c'est faux. C'est faux, Gaël. Tu n'as jamais rien proposé à compresseur. Compresseur est aux abois. Là, maintenant, la tabasse, la prends alors. Pourquoi vous avez trop parlé de mensonges comme ça? Moi, maintenant, comme vous dites, comment vous foutez de voir là chez moi, là? Moi, comment dire que moi, j'ai trouvé une maison ici, même à Bayonne, même en Espagne, même au sud, comment on appelle même ça, même à Monaco, je ne sais pas où on peut trouver. Moi, je ne sais pas. Parce que quand on tue les abois, quand vous êtes, on est aux abois, hein, vous ne savez pas ce que c'est, l'Europe n'est pas facile. Vous n'avez jamais été aux abois. C'est comme quand tu vis à l'hôtel. Tu vas à l'hôtel, tu vis seul à ton hôtel, tu as ta petite télévision de merde qui ne voit même pas, qui fait les fourmis partout. Tu es là, tu sors, tu manges des kebabs, tu manges des restaurants, tu es là, tu es malheureux. Tu sais, j'ai dit ça. Hein? Et vous allez me dire que non, non, tu m'as proposé. Tu as... Vous avez vos maisons là. Et vos immeubles, c'est seulement ici à Facebook. Hmm? Arrêtez, non? Mais Wallace, n'entends pas dans cette histoire. Hein. Je sais comme je suis. Non. Je sais que la part des choses. Parce que Cathy aimait ici. Cathy aimait. Et dit. Je me prouve le thé. Viens remettre les thés de Cathy FMI. Viens leur remettre. Mais attends. Parce que vous savez que les gens n'ont jamais été aux abois. Hein. Maman, quand tu es aux abois, tu vis seul. Tu vis dans un. Maman, tu vois comment tu es malheureuse même. Tu ne savais pas ce que c'est. Vous avez des maisons, vos maris ont les immeubles, mais votre copine souffre en route. Vous êtes incapable même de l'aider. Le mauvais cœur va te tuer. Il est bon. Je dirais si elle est sucrée, elle va vous faire des trucs ici. Bon, d'accord, je vous laisse. Hein, je m'en vais. Demain, on va continuer la discussion aussi. Non, mais ce que tu veux faire, c'est commencer à 18h. Comme ça, à 21h, à l'heure du film. Moi, je veux bien continuer. Non, non, non. Je ne veux pas continuer à 18h. Parce que les gens qui travaillent à 18h, comment tu veux m'imposer comment? Moi, j'ai mes heures de direct. Moi, j'ai mes directs. Bon, ben, parce que les gens n'ont pas encore souffert ici en Europe. Hein. Moi, j'ai moi, ouah, jusqu'à ce n'est même plus bon. Je n'ai pas envie de balayer beaucoup de choses pour que ma fille là. J'ai ouah, ma paix écrit quoi. C'est comme que viens habiter là-bas. Maman, tu vois comment? Maman, je m'en vais, j'habite. Je me bats seulement pour quitter de la vie au plus vite, pour aller chercher une maison pour moi. Je fais mes trucs. Hein? Vous avez tout. Vous avez tout. Et votre copine est en train de dormir dans un canapé. Elle vit dans un canapé. Vous la payez pour insulter. Vous la nourrissez avec 200 euros par semaine, 300 euros. Comme ça, elle va se faire des petites perruques. Elle va se faire des ongles. Elle achète son petit Dagobert. Elle vient s'asseoir sur place. Elle insulte les autres. Ça, c'est une vie. Je ne suis pas d'accord. En tout cas. Rentrer en mariage chez moi, mon fou. Maman. Viens. Alors. Non, passe pas par là. Ta fille, si, hein. Je dis que. Elle connaît les raccourcis, elle va se battre tomber, maman. On va tout tuer. Maman, le pape dans zéro à Facebook. Moi, je ne peux que dire ça, je ne peux que dénigrer à Kagaël, laisse ça. Quand tu me fais souvent, seul, je ne vois pas. Hein. Va rembourser les trucs de. Bien. On va dire au revoir. Viens alors. Viens. Les Nams. Donc, je t'appelle, toi, tu parles là-bas. Toi, quoi? Viens. Je suis sale. On ne connaît ni son visage, ni son nom, et tout le monde fut tout à fait mystérieux héritier qui ne serait autre que le fils adoptif du célèbre milliardaire. Non, non! Parlons vrai, hein. Moi je ne peux pas moi être avec. Moi j'ai des amis. Parlons vrai, parlons faux. Maman, je vais mettre le volume, hein. Depuis tout à l'heure, je ne fais pas le volume. Hein. Oh, toi aussi, tu me fais un truc comme ça, je vais quitter ici. La solidarité des camionneuses, vraiment. Je veux dire, Laetitia, hein, que tu me traites mal. Hein, qui ignore que moi je viens de direct à 20h. Tu n'as pas créé qu'il est ici. Et la Mungoué, viens. Voilà. On va dire au revoir.
On va aller, quand tu vois, dire au revoir les tata. C'est absurde. Au revoir. Voilà, c'est comme ça. Au revoir. Qui sort, on sait où. Au revoir. C'est encore comme ça. Fait au revoir. Bon, on va dire au revoir à tata. Et puis nous, on va continuer l'histoire si demain. Demain, on va que prendre Gaël de roi. Gaël, tu vas que nous payer cher le tout aussi. Quand tu parles que les petits 150 euros que tu me donnes souvent là, c'est pour me plomber la tête. Tu es malade. Oh, Rosson. Demain, on passe sur toi. Comment tu es le général de l'autre? Et voilà, c'est bon, lui, hein. Que le bon Dieu vous prenne. Demain, on tombe sur Gaël. 20 heures. Gaël, prépare-toi. Ah, Kitty, bien, bonne nuit. À demain, merci.